point plus complet juste, non pas après cette émission, parce qu'après cette émission, nous serons à Melbourne, voilà, en direct, pour suivre une fois de plus cette fille extraordinaire qui est dans le cœur de tous les Français, et même des Normands, bien sûr, heureusement, avec Laure Manoudou. Ce sera bien sûr les championnats du monde de natation. C'est pour ça d'ailleurs hein, qu'on commence maintenant. Bon, je voulais faire un petit coucou à quelqu'un qui fait partie de la grande famille de France 3 Normandie. Il s'appelle Michel Pomeroy, voilà, et il est aujourd'hui, bah, c'est son dernier jour, il part à la retraite. On voulait vraiment lui souhaiter une bonne retraite au nom de toute l'équipe. C'est un moment toujours important quand on part à la retraite, et voilà, on voulait en tout cas lui faire un petit coucou. Bon, plein de bonnes choses pendant 3 quarts d'heure, de la bonne humeur, des infos pratiques, des conseils, voilà, et puis vous, voilà, qui est de plus en plus nombreuses et nombreux, on le sait, à nous retrouver chaque matin. Qu'est-ce qui nous attend? Ben regardez, là, les 3 petits mots qui vont arriver. Voilà, les astuces de Jérôme, vous le connaissez. Il y aura le feuilleton avec une charmante cantinière, Michel, grâce à Nathalie Malin. Et puis, bien sûr, la mémoire avec Richard Plumet. Sans plus tarder, avec Katia. Eh bien, avec Katia, on va continuer à parler objets. Tendance, oui, c'est vraiment le mot, parce qu'aujourd'hui, la communication, bah, c'est important, hein, c'est pas nous qui allons dire le contraire en télévision, mais aujourd'hui, on communique différemment et grâce à quelque chose de surprenant, Katia. Des t-shirts. Et oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à communiquer, en tout cas à se dire les choses. Donc maintenant, nous avons Internet, il y a beaucoup de moyens de communication qui se développent, et en l'occurrence, le t-shirt. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça. Ouais. Donc, Christiane, vous venez avec moi, parce que je vais déjà vous présenter le premier t-shirt, qui est en fait... T-shirt de première de classe. Tu as quel âge, Christiane? Taille 14 ans. Taille 14 ans, donc voilà, c'est pour les enfants, c'est mignon comme tout. Ah, vive le musée avec Christiane. La boîte de craie, oui, il y a la boîte de craie, et Marc, il y a même l'éponge. Vous vous rappelez de ça, venez avec nous. C'était super, l'éponge avec la petite éponge, ça c'est fort, ça. Et l'odeur de la colle blanche. Alors la colle, ça sera pour un autre jour, si tu veux. Bon, ben je retourne ma main. C'est dans une autre rubrique, hein, la colle blanche. Je vais aller m'asseoir. Oui, allez-y. Oui, merci, Christiane. Allez, on y va. On a celui-ci également. Alors ça, ce sont des petites lettres scratch, en fait. Ah oui, c'est du velcro, tout simplement. Ouais, là, c'est voilà. Du velcro, ce sont des petites lettres. Donc, c'est livré avec un sachet de lettres. Regardez. Et vous mettez le message que vous voulez. Le message que vous souhaitez faire passer, vous l'inscrivez tranquillement avec vos petites lettres. Ah, on est pour un produit comme ça. Alors, c'est quand même relativement cher, puisqu'on est autour de 59€ pour un t-shirt avec juste les lettres scratch. Ensuite, on tape sur l'électronique. Alors attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut baisser la lumière? Parce que là, on... Je veux bien. Voilà, pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices voient bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Marc, peux-tu me retrouver ce soir derrière l'église? Non, c'est pas ça. On ne peut pas marquer des longs messages. Donc vous pouvez aussi, via Internet, vous pouvez télécharger vos messages. Où vous avez derrière, c'est bourré d'électronique, vous avez des petites touches pour changer les messages. Alors là, je vous avoue quand même que j'ai marqué Kiss Me. Pourquoi? Parce qu'avec mes petites mimines, ben, je ne suis pas arrivée à changer de message. C'est quand même un petit peu compliqué. Et je voudrais aussi vous montrer le t-shirt des Jones, le t-shirt boîte de nuit. Alors celui-là, il est très très rigolo, je veux bien que vous me le teniez. Bien sûr. Et si Thérèse peut envoyer la musique. Voilà, et là, vous jouez le jeu. Can get no Donc plus il y a des bases, ça va pas mieux. Hein. Ça va pas mieux. Hein. Ça va non, mieux. Regardez, ça va super bien. Je pars juste un petit peu comme ça de temps en temps, mais ça va bien. Donc en fait, c'est un t-shirt que vous mettez essentiellement en boîte de nuit, avec le petit boîtier que vous accrochez derrière. C'est de la très très bonne qualité. Ah. D'accord. Voilà, c'est de la très très bonne qualité. Et regardez, hop, ah oui, enfin là, on peut l'enlever. Bien. Voilà, et vous vous retrouvez avec bien. Un t-shirt noir classique lambda. Donc j'ai trouvé que c'était des petits objets rigolos. Un point plus complet, juste, non pas après cette émission, parce qu'après cette émission, nous serons à Melbourne, voilà, en direct, pour suivre une fois de plus cette fille extraordinaire qui est dans le cœur de tous les Français, et même des Normands, bien sûr, heureusement, avec Laure Manoudou. Ce sera bien sûr les championnats du monde de natation. C'est pour ça d'ailleurs hein, qu'on commence maintenant. Bon, je voulais faire un petit coucou à quelqu'un qui fait partie de la grande famille de France 3 Normandie. Il s'appelle Michel Pomeroy, voilà, et il est aujourd'hui, bah, c'est son dernier jour, il part à la retraite. On voulait vraiment lui souhaiter une bonne retraite au nom de toute l'équipe. C'est un moment toujours important quand on part à la retraite, et voilà, on voulait en tout cas lui faire un petit coucou. Bon, plein de bonnes choses pendant 3 quarts d'heure, de la bonne humeur, des infos pratiques, des conseils, voilà, et puis vous, voilà, qui est de plus en plus nombreuses et nombreux, on le sait, à nous retrouver chaque matin. Qu'est-ce qui nous attend? Ben regardez, là, les 3 petits mots qui vont arriver. Voilà, les astuces de Jérôme, vous le connaissez. Il y aura le feuilleton avec une charmante cantinière, Michel, grâce à Nathalie Malin. Et puis, bien sûr, la mémoire avec Richard Plumet. Sans plus tarder, avec Katia.
Eh bien, avec Katia, on va continuer à parler objet, tendance. Oui, c'est vraiment le mot, parce qu'aujourd'hui, la communication, bah, c'est important, hein. C'est pas nous qui allons dire le contraire en télévision. Mais aujourd'hui, on communique différemment et grâce à quelque chose de surprenant, Katia. Des t-shirts. Ça, c'est... Et oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à communiquer, en tout cas à se dire les choses. Donc maintenant, nous avons Internet, il y a beaucoup de moyens de communication qui se développent, et en l'occurrence, le t-shirt. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça. Ouais. Donc, Christiane, vous venez avec moi, parce que je vais déjà vous présenter le premier t-shirt, qui est en fait... T-shirt de première de classe. Tu as quel âge, Christiane? Taille 14 ans. Taille 14 ans, donc voilà, c'est pour les enfants, c'est mignon comme tout. Ah, vive le musée avec Christiane. La boîte de craie, oui, il y a la boîte de craie, et Marc, il y a même l'éponge. Vous vous rappelez de ça, venez avec moi. C'était super, vous ça, de ça, l'éponge avec la toile. La petite éponge, ça c'est fort. Et l'odeur de la colle blanche. La colle, ce sera pour un autre jour, si tu veux. C'est dans une autre rubrique, hein, la colle blanche. Je vais aller m'asseoir. Oui, allez-y, allez-y. Oui, merci, Christiane. Allez, on y va. On a celui-ci également. Alors ça, ce sont des petites lettres scratch, en fait. Ah oui, c'est du velcro, tout simplement. Ouais, c'est du velcro, ce sont des petites lettres. Donc, c'est livré avec un sachet de lettres. Regardez. Et vous mettez le message que vous voulez. Le message que vous souhaitez faire passer, vous l'inscrivez tranquillement avec vos petites lettres. Ah, on est pour un produit comme ça. Alors, c'est quand même relativement cher, puisqu'on est autour de 59 € pour un t-shirt avec juste les lettres scratch. Ensuite, on tape sur l'électronique. Alors attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut baisser la lumière? Parce que là, pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices voient bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Marc, peux-tu me retrouver ce soir derrière l'église? Non, c'est pas ça. On ne peut pas marquer des longs messages. Donc vous pouvez aussi, via Internet, vous pouvez télécharger vos messages. Où vous avez derrière, c'est bourré d'électronique, vous avez des petites touches pour changer les messages. Alors là, je vous avoue quand même que j'ai marqué Kiss Me. Pourquoi? Parce qu'avec mes petites mimines, ben, je ne suis pas arrivée à changer de message. C'est quand même un petit peu compliqué. Et je voudrais aussi vous montrer le t-shirt des Jones. Ah ouais. Le t-shirt boîte de nuit. Alors celui-là, il est très très rigolo. Je veux bien que vous me le teniez. Et si Thérèse peut envoyer la musique. Voilà. Et là, vous jouez le jeu. Donc plus il y a des bases, ça va pas mieux. Je pars juste un petit peu comme ça de temps en temps, mais ça va bien. Donc en fait, c'est un t-shirt que vous mettez essentiellement en boîte de nuit, avec le petit boîtier que vous accrochez derrière. Bon, faut avoir, ça coûte combien ça, faut avoir ça, un... Là, on est autour des 100. 100 € le t-shirt. 120 €. Mais par contre, c'est de la très très bonne qualité. Ah. D'accord. Voilà, c'est la qualité. Et regardez, hop, ah oui, enfin là, on peut l'enlever. Voilà, et vous vous retrouvez avec un t-shirt noir classique lambda. Donc j'ai trouvé que c'était des petits objets rigolos. Vous avez également deux magasins sur Caen et un à Cherbourg, ainsi que trois sites internet que vous retrouverez sur notre site à nous, france3.fr, c'est mieux le matin. Exactement. Voilà, c'est tout dit. Je vous dis à demain. Eh ben merci beaucoup, hein. Ça sent l'électronique. On a envie de terminer en vous disant merci ma puce, forcément. Merci beaucoup, Katia. À jeudi, hein. Jeudi, vous allez nous parler.